Se lève
Frères et sœurs bien-aimés, nous voici entrés dans la vigile solennelle. Nous pouvons nous asseoir pour écouter d'un cœur paisible la parole de Dieu. Méditons et voyons comment, dans les temps passés, Dieu a sauvé son peuple et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons à notre Dieu de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit : Que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : Que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence. Et que sur la terre, l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Du ciel
pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. D'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre. Et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici. Cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin,
Sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui es admirable dans la réalisation de toutes tes œuvres, donne à ceux que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ n'ordre pas qu'à la plénitude des temps est une œuvre plus merveilleuse encore que la création au commencement du monde. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : Abraham. Celui-ci répondit : Me voici. Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs : Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer. Puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham : Mon père. Eh bien, mon fils. Isaac reprit : Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ? Abraham répondit : Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils.
et ils s'en allaient tous les deux ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange lui dit « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de « Le Seigneur voit ». On l'appelle aujourd'hui « Sur le mont, le Seigneur est vu ». Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Je peux me rendre à la mort, il est si dans la vie, voilà comment.
Prions le Seigneur. Dieu très haut, Père des croyants, en répandant la grâce de l'adoption, tu multiplies sur toute la terre les fils de ta promesse. Par le mystère pascal, tu établis ton serviteur Abraham, père de toutes les nations, comme tu en as fait le serment. Accorde au peuple qui t'appartient la grâce d'entrer dignement dans cet appel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse : Pourquoi criez vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit. Si bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée. Il observa l'armée des Égyptiens et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent : Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. Le Seigneur dit à Moïse : Étends le bras sur la mer. Que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers
toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël, il n'en restant pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur.
Maintenant encore, Seigneur Dieu, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois, alors que jadis, par ta main puissante, tu as délivré un seul peuple de la poursuite de Pharaon, tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître par les eaux du baptême. Fais que tous, de par le monde, deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité des enfants d'Israël. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Jérusalem. Ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce que l'on rejette la femme de sa jeunesse? Dit ton Dieu. Un court instant, je t'avais abandonnée, mais dans ma grande détresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé, un instant, je t'ai caché ma face. Mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur ton Rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse. Jérusalem, malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, voici que je vais sertir tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux avec des rubis, tes portes en cristal de roche et toute ton enceinte
avec des pierres précieuses. Tes fils seront tous disciples du Seigneur, et grande sera leur paix. Tu seras établi sur la justice, loin de toi l'oppression. Tu n'auras plus à craindre, loin de toi la terreur. Elle ne t'approchera plus. Thank you.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples en guide et en chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi, une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Il s'est levé dans la lumière.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, unique espoir du monde, toi qui annonçais par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent en ce temps présent, dans ta bonté, fais grandir les désirs de ton peuple, car sans ton inspiration, aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Baruch. Écoute, Israël, les commandements de vie. Prête l'oreille pour acquérir la connaissance. Pourquoi donc, Israël, pourquoi es-tu exilé chez tes ennemis, vieillissant sur une terre étrangère, souillé par le contact des cadavres, inscrit parmi les habitants du séjour des morts? Parce que tu as abandonné la source de la sagesse. Si tu avais suivi les chemins de Dieu, tu vivrais dans la paix pour toujours. Apprends où se trouvent et la connaissance, et la force, et l'intelligence, pour savoir en même temps où se trouvent de longues années de vie, la lumière des yeux et la paix. Mais qui donc a découvert la demeure de la sagesse? Qui a pénétré jusqu'à ses trésors? Celui qui sait tout en connaît le chemin. Il l'a découvert par son intelligence. Il a pour toujours aménagé la terre et l'a peuplée de troupeaux. Il lance la lumière et elle prend sa course. Il la rappelle et elle obéit en tremblant. Les étoiles brillent joyeuses à leur poste de veille. Il les appelle et elles répondent « Nous voici ». Elles brillent avec joie pour celui qui les a faites. C'est lui qui est notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable. Il a découvert les chemins du savoir. Il les a confiés à Jacob, son serviteur, à Israël, son bien-aimé. Ainsi, la sagesse est apparue sur la terre. Elle a vécu parmi les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui demeure éternellement. Tous ceux qui l'observent vivront, ceux qui l'abandonnent mourront. Reviens, Jacob, saisis-la de nouveau. À sa lumière, marche vers la splendeur. Ne laisse pas ta gloire à un autre, tes privilèges à un peuple étranger. Heureux sommes-nous, Israël, car ce qui plaît à Dieu, nous le connaissons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Thank you.
Seigneur Dieu, tu ne cesses de faire grandir ton Église en appelant à elle toutes les nations. Dans ta bonté, nous te le demandons. Garde sous ta constante protection ceux que tu purifies dans l'eau du baptême, par le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors j'ai déversé sur eux ma fureur à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qui l'avaient rendu impur. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom. Car on disait: c'est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël: ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un peuple nouveau se lève des flots, peuple de frères animés.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu veux nous former à célébrer le mystère pascal en nous faisant écouter l'Ancien et le Nouveau Testament. Ouvre-nous à l'intelligence de ta miséricorde, ainsi la conscience des grâces déjà reçues affermira en nous l'espérance des biens à venir. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous restons debout, nous rallumons nos cierges et nous faisons résonner la gloire de Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ
qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort pour une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes mort au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous vous rendons grâce à Dieu. Et avec votre esprit.
bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié? Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. En préparant ce matin la liturgie de cette vigile, j'ai ressenti intérieurement une joie dont je voudrais partager le motif avec vous. Nous le savons tous, durant le temps de carême, on ne dit plus Alléluia. Mais les habitudes ont la vie dure. À plusieurs reprises durant ce carême, au début des offices communautaires, lorsqu'on répond au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles, amen, je commence à ajouter Alléluia comme on le fait en temps ordinaire, avant de me ressaisir et d'avaler les deux dernières syllabes. Alors ce matin, je me suis dit, enfin, je pourrais redire Alléluia sans être dans l'erreur. En plus, je peux maintenant faire sortir tous les Alléluia que j'avais dû avaler par obéissance à la norme liturgique. Voilà le premier sentiment que cette fête de Pâques me fait éprouver, un sentiment de libération. Il y a 2 ans, sur la paroisse où j'avais célébré la vigile pascale, j'avais proposé à la chorale, après la post-communion, de prendre des chants de louange. À la fin de la célébration, une dame m'a dit, « Mon père, c'est pendant ce temps de louange où tout le monde dansait et criait de joie que j'ai vraiment ressenti que Jésus est ressuscité. » L'an dernier, enfin, c'est à Lourdes que j'ai vécu le Triduum pascal. Les participants étaient plusieurs milliers. Chacun avait sa bougie allumée et la lumière des milliers de bougies offraient dans l'immense basilique de Saint-Pie-X un spectacle impressionnant. En voyant cela, une dame s'est écriée à côté de moi, « Waouh, Jésus est vraiment ressuscité !»
Chacun a certainement son expérience, quelque chose qui retient son attention dans la liturgie et qui lui permet de ressentir la joie de la résurrection. Mais ce que je voudrais nous proposer, c'est d'aller au-delà de ce premier ressenti, qui n'est pas sans fondement, pour trouver dans la parole de Dieu même ce que nous apporte la résurrection du Christ. Que nous apporte Pâques ? Je nous propose deux réponses qui ne sont pas du tout exhaustives. La première réponse, c'est quelque chose que les sept textes de l'Ancien Testament que nous avons écoutés ont en commun. Et la deuxième réponse, je la dégagerai de l'Évangile. Commençons par la première. Si l'Église nous a proposé sept textes de l'Ancien Testament, alors que Jésus est ressuscité dans le Nouveau Testament, c'est en fait parce que la résurrection est le couronnement de ce qui a commencé depuis la création du monde, depuis l'Ancien Testament. Ce qu'il y a de commun aux sept lectures de l'Ancien Testament que nous avons écoutées, c'est l'attitude de Dieu. Dieu agit un peu comme les commerciaux qui vous appellent sur votre téléphone sans votre avis pour vous proposer des produits. Dans la première lecture, par exemple, Dieu appelle l'homme et la femme à la vie et il leur fait une offre. Il leur propose de devenir les maîtres de tout ce qu'il a créé. Même scénario dans la deuxième lecture qui parle du sacrifice d'Isaac. Dieu appelle Abraham et lui propose de faire un sacrifice qui débouche finalement sur des bénédictions. Même chose encore dans la troisième lecture qui raconte la traversée de la mer Rouge. Dieu appelle les fils d'Israël à travers Moïse. Il leur propose de les sauver de la main des Égyptiens et il les fait passer au milieu de la mer à pied sec. La même dynamique est présente dans les sept lectures. Dans la cinquième lecture, par exemple, Dieu dit « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter, consommer, sans argent et sans rien payer. » Sans argent et sans rien payer. Si vous avez déjà eu affaire, comme je le disais, à des agents commerciaux, vous devez savoir que c'est leur façon de parler. La différence avec un commercial, c'est que lorsque Dieu prend contact avec nous, nous avons vraiment besoin de ce qu'il nous propose. Et il n'a pas d'intérêt particulier. Dieu ne gagne rien quand il propose un produit aux hommes. Il s'en sort toujours perdant. Dans la dernière alliance qu'il a faite avec notre humanité, son fils unique a perdu la vie. Ce que les sept textes de l'Ancien Testament ont donc en commun, c'est qu'ils présentent un Dieu qui vient à la rencontre de sa créature et qui a toujours quelque chose à lui apporter. Hier soir, à l'office de la sépulture, dans l'oraison qui a précédé le Notre Père, Mère Fabienne parlait de la démesure de l'amour de Dieu révélé en son fils Jésus. Je crois que c'est la réponse qui ressort des sept textes de l'Ancien Testament que nous apporte Pâques. Elle nous révèle la démesure de l'amour de Dieu. La fête de Pâques, c'est la fête de la démesure de l'amour. Dieu t'aime de façon démesurée et il te poursuit sans cesse de ses bienfaits. La fête de Pâques, c'est la fête de la démesure de l'amour. Dieu t'aime de façon démesurée et il te poursuit sans cesse de ses bienfaits. La deuxième réponse vient de l'Évangile. L'Évangile nous présente trois femmes qui se rendent au tombeau pour aller embaumer le corps de Jésus. Elles se demandaient comment faire pour rouler la grosse pierre qui couvre l'entrée du tombeau. Mais non,
Elles n'auront pas besoin de le faire. Plus de pierres couvrant l'entrée, plus de Jésus dans le tombeau. Et elles vont retourner avec un message adressé explicitement aux disciples et à Pierre. Il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. Devant l'évidence de la pierre roulée, devant l'absence de corps, même si les disciples ne croient pas encore en la résurrection de Jésus, les trois femmes ont réussi à semer le trouble dans leur cœur. Ils ne peuvent plus désormais s'empêcher de se demander, et si c'était vrai? Et s'il était vraiment ressuscité? Et si on le voyait vraiment en Galilée? Et si tout n'était vraiment pas fini? Cléophas, l'un des deux disciples d'Emmaüs, a témoigné plus tard que ce message des femmes les avait tous remplis de stupeur. Frères et sœurs, je voudrais que ce doute et ce trouble que le message des femmes a semé dans les cœurs des disciples soit la deuxième chose que Pâques nous apporte. Que nous puissions nous aussi nous laisser troubler dans nos certitudes. Que nous puissions dire comme les disciples, et si tout n'était vraiment pas fini? Et si tout n'était vraiment pas fini? Et si quelque chose était encore possible dans les situations de nos vies où nous pensions qu'il n'y a plus rien à espérer, que tout est déjà perdu? La résurrection nous autorise à nous poser cette question. Parce que la résurrection, c'est la vie qui renaît là où tout le monde pensait que tout était perdu. La résurrection de Jésus nous permet donc de regarder avec foi nos propres tristesses, nos désespoirs, nos échecs et les situations face auxquelles nous avons déjà démissionné et de nous dire, et si tout n'était vraiment pas fini? Et si quelque chose était encore possible? Croire en la résurrection du Christ, c'est oser croire que quelque chose est encore possible pour nous. Laissons-nous donc aussi troubler par le message de la résurrection. Et alors, Pâques ne sera pas une fin, mais un nouveau commencement. Amen.
Christ, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, et Joseph, son époux, Joachim et Anne, Jean-Baptiste, le précurseur, Mathieu, Marie Madeleine, Étienne et Laurent, témoins de la résurrection, Ignace d'Antioche, Perpétue et Félicité, Agnès et Blandine, de tous les temps, Irénée et Athanase, Ambroise et Augustin, Léon et Grégoire, gardiens de l'unité, Basile de Césarée, Jean Chrysostome, chers de Dieu, François et Dominique, Nicolas Roland, Jean-Baptiste de la Salle, Thomas d'Aquin, Claire d'Assise, Catherine de Sienne, toutes les consacrées au Seigneur, Ignace de Loyola, François-Xavier, apôtre de l'Asie, François de Sales et Jeanne de Chantal, Thérèse d'Avila et Saint-Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux, Thérèse Bénédicte de la Croix, Vincent de Paul, Bernadette de Lourdes, François Régis, Thérèse Coudère, Jean-Marie Vianney, Jean Bosco, Antoine Chevrier, Michel et tous les archanges, devant la face du Seigneur, et tous les saints du royaume, dans la lumière éternelle. Ô Seigneur, délivre-nous tout mal, de tout péché, de la mort éternelle, nous qui sommes pécheurs, par ton incarnation, par ta mort et ta résurrection,
que tu appelles. Daigne les bénir, daigne les sanctifier et les consacrer. Frères et sœurs bien-aimés, supplions humblement Dieu, notre Seigneur, de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu lui-même nous renouvelle, afin que nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Seigneur notre Dieu, sois favorable aux prières de ton peuple qui veille en cette nuit très sainte. Alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand le Christ fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin que nous menions avec lui une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons les promesses faites au moment de notre baptême, quand nous avons renoncé à Satan et à ses œuvres, et promis de servir Dieu dans la Sainte Église catholique. Quand l'auteur du mensonge nous assaille, celui qui divise les familles, les communautés, les nations, celui qui dissimule le mal sous des apparences trompeuses, celui qui dissout la vérité pour nous empêcher de connaître notre péché, reconnaissons-nous qu'il veut nous détourner de Dieu. Renoncez-vous à Satan? J'y renonce. Quand le prince des ténèbres exerce son pouvoir par la rancune qui dresse des murs, par la fausseté qui dégrade les relations, par l'amertume qui enferme en soi-même, reconnaissons-nous qu'il nous entraîne sur le chemin de la mort. Renoncez-vous à toutes ces œuvres, c'est-à-dire au péché? J'y renonce. Quand le prince de ce monde nous présente ce qui conduit au mal, le superflu qui fait toujours désirer autre chose, les comparaisons qui entraînent la jalousie, le pouvoir qui a servi au lieu de servir, reconnaissons-nous qu'il nous détourne de la beauté de Dieu. Renoncez-vous à toutes ces séductions qui conduisent au péché? J'y renonce. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je
Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Je crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon des péchés, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Nous avons renouvelé nos promesses baptismales. Nous pouvons maintenant nous avancer deux par deux vers la cuve pour nous signer avec l'eau bénite. Que cette eau nous rappelle notre baptême.
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive celui qui croit en moi. De mon sein couleront pour lui des fleuves d'eau vive. Les eaux du baptême, alléluia, nous vivons de Jésus-Christ, alléluia. Qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Cette eau deviendra en lui source jaillissante. Nous avons professé ensemble la même foi. Nous avons reçu le même baptême. Nous portons la même espérance. Laissons-nous maintenant unir dans la même charité en nous donnant dans le Christ ressuscité un signe de paix. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Thank you.
prier, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en supplions, Seigneur, les prières de ton peuple qui t'offre ce sacrifice. Fais que les mystères inaugurés dans la célébration pascale nous procurent, avec l'aide de ta grâce, la guérison éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Thierry et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Éric, et son auxiliaire Étienne, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi des baptisés de Pâques, que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Unis dans le même esprit et dans la joie de la résurrection, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du ressuscité soit toujours avec vous. Et avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui porte et qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Réponds en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin que soient unis par ta tendresse ceux que tu as nourris des sacrements de Pâques. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir pour écouter quelques annonces. Finalement, c'est qu'on va poursuivre la célébration ensemble tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. En ce jour, nous célébrons la solennité de Pâques. Et dans sa bonté, qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique. Qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez, avec son aide, prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Alléluia.